Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. Là on continue, voilà, la quête principale. Oh, j'aurais bien aimé piquer cette bagnole, je dois avouer. On va mettre un peu quelques points de recherche. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Données clés, four point. Bref, est-ce que finalement ça m'intéresse vraiment? Après, il faudrait que je fasse ça, mais bon, honnêtement, tant pis. Hein. Il manque des données clés de toute façon. Ouais, il me manque finalement pas mal de données clés. Que... Ouais. Je peux avoir ça. Après, bon, ça, honnêtement, les ennemis qui sont blindés, je leur tire pas dessus avec, de toute manière, avec le pistolet, donc, bon. Allez, on va activer ça. Voilà, j'active vite fait 2-3 trucs, et puis, parce que là, voir sur la carte un peu, voyons. Ah oui, c'est ça, et après, toi, ils sont là, ok. J'ai des données clés et tout. Ouais, après honnêtement, ouais, là j'ai vraiment la flemme d'aller là-bas, quoi, on va pas se mentir. Alors c'est dommage parce que celle-là, du coup, ça aurait pu être sympa, mais... D'accord, donc ça sert pas mal ça. Mais écoutez, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, donc on est bon. On va commencer chinoiserie. Allez, on va aller donc au hackerspace qui est là. Est-ce que c'est loin de moi ça? Non, 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 ce n'est pas loin. Let's go les amis, on y va. Je sais trouver une petite bagnole. Je vais attendez, je vais suivre la mission. Voilà. Est-ce que j'ai pas une petite voiture dans le coin? Faites sans que je doive en voler une en fait, vous voyez. J'aimerais éviter d'en voler une, mais il y a zéro bagnole. Comment est-ce que je puisse en voler une ici peut-être? Du genre... attendez. Oh, attendez. Je vais ouvrir ça. Je vais faire sortir le camion. Ouais, non, attendez. Si je me mets là, je vais m'écraser. Sérieusement? Tant pis. Ah, mais il y a un parking là. Il y a un parking, les amis. Je l'avais pas vu, lui. Quelle voiture je vais récupérer? Je me dis... Pirater? Je peux pirater ça? Quoi si je pirate ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sans déconner, c'est quoi ça? Je sais pas, mec. C'est ta bagnole ou pas? Les gars, j'entends la baleine 52 Hz. Ok. Attendez, c'est quoi je ça? vais voir si je peux pirater la source. Ouais, j'attends. Ok. Ouais, la baleine 52 Hz. Je vais avoir besoin que tu me plantes le décor, là. La 52 Hz, c'est la baleine la plus seule au monde. Elle passe son temps à appeler les autres baleines, mais aucune ne peut l'entendre à cause de ses cordes vocales qui sont détraquées. Ou quelque chose comme ça. Je te remercie d'avoir gâché mon après-midi, Rench. Non, mais le chant de la 52 Hz, c'est aussi ce que la NSA a utilisé pour son tout premier honeypot. C'était une énigme à laquelle les hackers de la vieille école pouvaient pas résister. Donc ils l'ont résolu et... Ils se sont fait arrêter? Non, ils se sont fait recruter, mais en échange de leur liberté. Et maintenant, quelqu'un le diffuse à nouveau. J'ai détecté le signal. Et tu vas le laisser là où il est, hein? On est d'accord? Ah, sûrement pas. La 52 Hz, c'est une légende pour les hackers. On peut pas résister à son appel. Ah, cet appel tragique, pathétique et déformé. Wrench, t'arrêtes ou je te tape? Je t'attends, meuf. Oh! Est-ce que c'est une mission secondaire? C'est ça. Donc peu d'intérêt, je la ferai moi de mon côté.
En tout cas, peu d'intérêt, pardon, à ce que je la fasse avec vous. Voilà, surtout ça. Surtout ça, le truc. Vu qu'on a dit qu'on faisait que des missions principales ensemble. Et il y en a quand même déjà pas mal, hein, donc voilà, on va. On va un petit peu se calmer dessus. Voilà. Hop, ah, rip. Allez, on arrive au hackerspace, les gars. Je vais me garer ici. Comme ça, en fait, je gêne personne, vous voyez. Et il n'y aura personne qui va commencer à faire chier, à klaxonner de ouf et tout. Voilà. Allez, on va au hackerspace, les amis. Pardon. Site Scootix, bon, ouais, ça faudrait que je l'efface, mais honnêtement, oh flemme, hein, ça on va pas se mentir. C'est pas compliqué, c'est juste un peu long finalement. Et c'est de la balade en vérité, donc bon. Voilà, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de le faire. Sauf si je suis obligé. Josh a remarqué quelque chose de bizarre dans les données de Galilei. C'est du code. Et les commentaires sont en chinois. Non, me dis pas que les Chinois ont déjà piraté le backbone satellite. Pas les satellites. Les câbles sous-marins reliant la Chine et les États-Unis. Mais c'est même pas ça l'info la plus énorme. Bloom a surveillé tout le piratage. Josh raconte que les hackers volent des données qu'ils utilisent ensuite pour spéculer à la bourse de New York. Des hackers qui deviennent traders initiés, et alors, c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Non, mais écoute ça. Le programme utilisé par les hackers. Roulement de tambour, s'il te plaît, Josh. C'est un soft de reconnaissance de forme. Et je parie mes couilles que c'est le Bellwether, mon pote. Et Bloom est au courant? Bah, pourquoi ils font rien? C'est pour ça qu'on est là. On n'a rien de solide sur quoi se baser, à part que les hackers chinois ont utilisé leur accès pour autoriser un cargo en route pour San Francisco. Les containers viennent tout juste d'arriver au port. Je vais y faire un tour. Bah, c'était moi où il tapait ailleurs que sur un clavier. comment on sort de là? Ah, il part là. J'allais dire, laissez-moi sortir, monsieur. Laissez-moi sortir, allez. On sort de là. On va gérer ce qu'on a à gérer, les gars. Vas-y, s'il te plaît. Merci, Marcel. Allez, mon petit Bernard, on y va. Bon, tous ces gens-là, peut-être que je leur parle, ça me donnerait peut-être des missions secondaires, ou que sais-je. Oula. Peut-être risquer ma vie. Alors, faut que j'aille où? Où dois-je aller? Je dois aller là-bas. C'est loin? Non, c'est à côté. Bah, parfait, les gars. On y va, hein. On y va. Je sais pas si elle sera plutôt longue ou plutôt courte cette mission, on verra. Si elle est aussi longue que la dernière fois, ça promet. Oh là. Oh, je suis désolé, hein, j'ai mal piloté là, mais bon, que voulez-vous? Bon, voilà. Là, je vous garde avec moi parce que bon, finalement, on y est bientôt. Puis j'aime cette bagnole, donc je vous garde avec moi pour profiter de ce road trip. Je me demande d'ailleurs si avec les améliorations qu'on peut avoir, vous savez, avec les points de recherche, si on peut avoir genre nitro illimité. En mode, tu sais, la nitro ne consomme plus de points de botnet. Faut que j'aille là-bas. Alors attendez. Citara, c'est quoi le numéro de conteneur que je dois trouver? On va prendre le coup. LV-426. Ah, pas mal. Tu veux tester mes références? Un peu, ouais, j'avoue. Bon, ça commence par SIBU-707. Ok, je le vois. Mais il y a d'autres conteneurs juste devant. Il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Il le voit comment? Est-ce que c'est dangereux? Nos followers pensent que notre objectif, c'était de coincer Truss.
Mais c'est juste la cerise sur le gâteau. Les gens vont douter de leur propre opinion maintenant. Personne n'osera admettre qu'il s'est fait manipuler. Non. Mais tous ceux qui voulaient voter pour Truss vont être obligés de se remettre en question. Et en plus, ouais, ça, on a c'est réussi cool. à associer Bloom et le CTOS à l'idée d'intrusion abusive. Ouais. D'accord, donc je suppose qu'il faut que je monte là-haut. Non, alors je contrôle ça. Ok. Il y a quelqu'un qui me hack ? Je vais le trouver. Oh là, putain, mais on a que ça à foutre. Bon, attends, t'as pas de chemin, les gars. Peut-être sortir ça. Le hacker se trouve dans l'eau ? Le hacker se trouve dans l'eau. Bah, le hacker commence à me péter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez. Oh ! C'était mon chiant ça. Bon, je pense qu'il est par là-bas du coup. Oh, c'est lui. Je pense, je suis sûr que c'est lui. Eh, ça, ça dégage, les gars. C'est vrai, je vais taper les flics maintenant? Putain! Bon, attendez, je dois m'arranger avec ça déjà, attendez. En vrai, putain, c'est pas facile à gérer ce truc. Attendez. Ça marche pas. Comment ça marche? Secours! Une enquête est actuellement en cours pour déterminer si la société Invite et l'ancien membre du Congrès Mark Truss ont réellement tenté d'influencer illégalement les élections du Congrès. Des preuves de leur manipulation ont été mises au jour par le groupe de hackers controversé DedSec. Les élections ont par conséquent été repoussées à une date ultérieure. C'est pas avec ça qu'il faut le faire. Attendez. Est-ce que c'est vraiment avec ça que je dois le faire? Parce que... Ça me paraît bizarre quand même, non? Bref, peut-être que je monte du coup là-haut avec ça. Je sais pas, hein, franchement, les gars. Là, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Pourtant, ça, ça m'a l'air d'être la bonne chose à faire. Par contre, attendez. Ah, mais putain, attendez! Ah
Ah non. Je pensais avoir compris le... Le truc, mais apparemment pas. Non, franchement, je sais pas comment ça marche, ce truc. Les gars... Ouais. Alors je le mets où ce truc? Admettons que je le mets là. Parce que peut-être qu'en fait je pouvais pas... Ah mais ouais. Ok, en fait je pensais qu'il fallait, voyez moi, que je prenne celui-là là-haut pour que je prenne ce container. Mais non, mais en fait c'était pas ça. Ok, 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 ok. Putain. What? Calme-toi! Roland, calme-toi, je t'ai dit de te calmer, bordel! What? Mais qu'est-ce qu'il fait, Marcus? Qu'est-ce que tu fais, Marcus? Oh, sa mère! Petite devinette. C'est quoi qui est... qui est chinois et qui fait du trafic d'êtres humains. Facile, les Anti-Shoe Boys. Ouais, bah, c'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Reçu. Qui c'est? Et pourquoi il saigne du nez? Noodle Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal. Ok. J'essaie les écoles chinoises et je te recontacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis... Bienvenue en Amérique. D'accord. intéressant. J'en fais quoi de ce mec, je le tue? Bon, Marcus, bah, j'ai trouvé ton gars. Ça donne quoi? Diplômé de la Shanghai Jiao Tong University. Il a un double master en statistiques et commerce. Pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les Anti-Shoe Boys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatown qui connaît les Anti-Shoe Boys. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des réponses. Ok. Oups. Pourquoi appeler la police? Vous foutez de ma gueule? Faut que j'aille où là? Faut que j'aille là-bas. On est loin ou pas? 1300 mètres. Oups. Désolé mec. Je me suis trompé de chemin. Allez, let's go. Putain, j'ai vraiment galéré là sur cette mission là. Franchement, ouais, c'était chaud patate. Hein. Vraiment, comme j'ai dit, en fait, je pensais qu'il fallait juste que je prenne moi le conteneur et c'est tout. Pas juste que je regarde ce qu'il y avait dedans en fait. Et surtout, je pensais qu'il fallait que je me mette juste au-dessus, vous voyez, de la. Bah, du conteneur pour après le saisir et pas juste me mettre vite fait au-dessus et envoyer mon grappin finalement. C'est ça qui m'a un peu induit en erreur, donc c'est vrai que j'ai un peu galéré, mais bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on a trouvé quand même. Allez, let's go. Là, on y est bientôt là, hop. Je sais pas ce qu'on va devoir faire là, mais. Probablement livrer d'ailleurs. La guerre aux gangs dont il parlait là. Peut-être. Ou en tout cas faire. Non, je pense pas leur déclarer la guerre directe, mais peut-être leur faire effondrer les. Ou leur donner peut-être des fausses informations. C'est peut-être plus ça en fait. Je pense qu'on va pirater le truc, leur donner des fausses infos. Et comme ça, ils vont mal investir finalement. T'as dit quoi? Mec, t'es pas discret là. Hey, tu connais ce mec? Ah, bah bravo, super comme attitude. Écoute, je sais que c'est les Anti-Shoe Boys qui les font entrer. Je veux savoir pourquoi. Non, je le connais pas.
On se connaît pas tous, tu sais. Citara m'a dit que tu pourrais m'aider, alors donne-moi quelque chose. Ouais, bah fallait le dire tout de suite. Antichou a un bureau dans l'entreprise d'import-export sur Gold Street. Leurs registres sont là-bas. Eh, hey, tu diras à Citara qu'on est quitte maintenant. Ouais, ouais, merci. Ok. Alors, trouver les documents dans le coffre. Ah. Donc c'est là que les ennuis commencent, c'est ça? Oh bah attendez. Ok tout le monde, je suis sur une piste à Chinatown. Je pense que c'est une sorte de planque qui doit servir à Antichou. Si je trouve quelque chose, je vous rappelle. Ok. Oublie pas de chercher tout ce qui peut être lié au piratage des places financières. Bon, en vrai, on va déjà lui balancer un petit bonhomme. Tu penses qu'on va faire du business sur le territoire des 580? On se le fait! Bah attends, on va parler à elle. Vous vous êtes perdu, non? Ne le prenez pas mal, mais on vous remarque. Mais c'est ok, hein. Moi, j'ai rien contre les blacks. Mais j'en connais d'autres qui sont un peu moins ouverts d'esprit. Faites attention à vous, ok? Certaines rues du quartier sont pas pour les touristes. Ok. Parce que là, en vrai, je pourrais monter par là, je pense. Mais il faudrait... quelque chose. Ça a l'air... tout dangereux, quand même. Est-ce que je peux leur piquer leur bagnole pour monter? Cette voiture-là, franchement, j'en ai rien à foutre. Je vais essayer de monter par là. C'était qui ce petit con? Alors là, du coup, je peux aller là-haut. Mais pourquoi est-ce que j'irai là-haut? Oula. Donc j'ai un mec ici. Ok, j'essaie d'aller le prendre à revers. Attends, est-ce que je peux sauter de là à là-bas? Ah, je pense que la réponse est non. Je pense que la réponse est non. Attendez, je vais essayer de remonter. Si... ok. Quel truc est là-bas? Par où est-ce que je peux passer du coup? Pourquoi est-ce que je pourrais passer là? Est-ce que je peux sauter là-bas? Non. Bah, du coup, j'ai aucun intérêt en fait à passer par là. Ok, là j'ai un mec. Okay. Les gars, un indé est en chemin, ok? Faites de la place à l'indé. Mon frère! Ouais, je pense que je suis cramé là, les gars. Oh, vas-y, m'écoutez les coups, ce chien. Oh, attendez. Ah! Évidemment, tant qu'il est! C'est la merde là, les gars, du coup. Tant pis. Il est en train de me péter la gueule! C'est par là. Attendez. Bon, le truc, c'est que je dois aller là-bas. Ah, attendez, je sais pas où on passe là.
Je vais essayer en fait de... Oh là, oh là là. Oui, alors ça c'est jamais une très bonne idée, on va pas se mentir. Mais qui c'est qui m'a vu là? Je comprends pas. Il y a un mec qui m'a atomisé là. Ah, je me mets. Qui me tire dessus? Putain. Oh, c'est le bordel, les gars. Ok, ok. Ouais, on va continuer du coup. Alors, pour le coup... Ah, il faut peut-être que je passe par là. Ouais, ça va être ça en fait, les gars. Ah. Oh, je me suis éclaté la gueule, là. Je me suis éclaté la gueule, les gars. On va trouver. On m'a repéré ou quoi là? Est-ce que c'est sur moi qu'on tire ou pas? Non, parce que ça m'inquiète un peu quand même cette histoire. Non, ça je pense. Merde! Pas. Grand-mère va nous tuer là! Quoi? Oh là, le bordel que c'est, les gars! Non, c'est pas ça. Hey, grand frère, j'ai besoin que tu butes quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que je voulais, du coup? Oh, bah, on peut ouvrir ça, en fait. Non? Alors, c'est pas du tout là où je devais aller. Mince. Et surtout, je suis en bas là. Ok. Moi, je dois trouver comment aller. Attends, attends. Sur la droite, j'avais une... Oh, oh, oh. Alors là, j'ai des mecs aussi. Là, j'en ai deux. Sérieux, mec? Présence potentielle d'un criminel près de votre position. Bah, du coup... Ah, du coup, je liquide les mecs qui sont endormis parce que... Voilà. On ne sait jamais. Ok. Waouh! Putain, c'est pas facile, hein, cette mission, hein! Une faction vous attaque la police! Ah! Bon, on va aller loin avec ça! Si j'ai tout le monde qui m'attaque, même les flics maintenant! Là, le truc, c'est qu'il va falloir que je me barre. Après, là, les flics ont l'air d'être occupés déjà, donc. Ok. Et je dois me barrer de la zone, c'est ça? Voilà, c'est prometteur, ça. On va voir ce que tu caches. T'as trouvé quelque chose? Des documents. Tu lis le chinois? Non, mais les cartes et les graphiques, je sais les lire. Des cartes et des graphiques de quoi? Un parc de serveurs flottants. Des nœuds informatiques, des générateurs, ils sont dans les eaux internationales près du câble sino-américain.
Ça fait des années que la flotte du Pacifique chasse les bateaux et les sous-marins de la zone. Mais ça fait une grande surface à couvrir. Sauf quant à leurs coordonnées. Merci les Anti-Shoe Boys. Super, maintenant tire-toi de là. Bonjour, on va pirater ça, les gars. Anti-Shoe, c'est vraiment ma tante. Jusqu'à mes 12 ans, je l'avais toujours vue comme une gentille vieille dame qui nous apportait des trucs à manger. Qui prenait soin de nous quand on était malade ou qui venait, je sais pas, nous chercher après l'école, tiens. On va se barrer avec ça. Oh putain. On a un intrus. Mais t'imagines ce que ça m'a fait le jour où je vais lui trancher la face d'un mec avec un hachoir, hein. Échappe à vos poursuivants. Ouais, alors là-dedans, on va pas aller loin. Là-dedans, on va pas aller loin du tout. Faut d'ailleurs que j'arrive à changer de... de bagnole. Ou alors j'arrive à me cacher et on est bon. C'est normal là. On va regarder sur quoi je tombe. Ben voilà, pas beau ça. Ronde de m'emmener ça les amis. Ok. Alors, est-ce qu'on a fini la mission ou pas? Ah, je pense pas. C'est quoi le non. plan, mon grand? On pirate la péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur, en espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son Bellwether en bourse. Le souci, c'est qu'elle est hyper loin. Ok. La péniche est pas reliée au CityOS. Elle doit utiliser les protocoles chinois. Mais je vais t'arranger le coup, mon gars. T'inquiète, de mon côté, tu seras raccordé. Mets ton téléphone dans un lieu dégagé. Je t'envoie les coordonnées d'un phare à Marine. Ah, si t'as une minute, pense à lever le nez. La vue est magnifique. Merci du conseil, l'ami. Jolie vue. Bah écoute, mec. Oula, ça a l'air bon, ça. Ouais, ça pour le coup, c'est loin. Bah, vous savez quoi, les gars? Je vous récupère dès que je suis là-bas. Ouais. C'est bon, je suis quasiment arrivé. Vous voyez, bon, j'ai changé de voiture. C'est parce que, voilà, dès que je vous ai quitté, on va dire, j'ai eu comme qui dirait un petit accrochage. Et y avait cette voiture-là juste à côté, donc j'en ai profité, voilà. Hop. Allez, petite zone cool. J'espère que la vue est sympa, hein, comme il l'a dit, monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Bob ou Ted, ou je sais plus comment il s'appelle. Oula. Ouais. Heureusement que j'ai cette voiture. J'ai hésité à prendre une autre voiture, un peu de course. Mais je crois que j'ai bien fait parce que... ici, j'ai des bagnoles. Au cas où, hein. Au cas où, les gars, j'ai des voitures. Parce que là... Ok. Alors si j'ai ça ici, c'est que probablement ça doit m'être utile. Est-ce que... Ok. Ça fait rien, je pensais que c'était une bite... vous savez les trucs qui montent là. Alors. Bah, j'ai des points de recherche de toute façon. Par contre ça m'inquiète parce que... Est-ce que je peux monter? Ouais, je dois pouvoir monter par là, je pense. Ok. J'avoue que la vue est quand même un petit peu stylée. Ah non! Il y a un truc! Non! Ah, il y a un truc à ramasser, je suis trop con! Fuck! Ok, j'y suis et je suis prêt. Ray, ah, c'était Ray, je connais pas pour la vue. Je déconne jamais, amigo. Et commencez pas, vous deux. C'est bon, Ray? Ouais, les protocoles sont prêts. Allons voir ce qui se passe dans cette péniche.
Ouais, allons voir ce qui s'y passe, ouais, justement. Intrusion détectée. Ah. Donc on doit pouvoir encore une fois me balader. Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Je vais regarder ce qui se passe. Et après ? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais. Ok. Alors, je suppose qu'il faut que je cherche quelque chose encore, comme la dernière fois, de toute façon. Si je tombe sur lui... Ouais. Parce que, attendez, là, j'ai un truc là-bas. Après, j'ai rien d'autre. Donc... Ça veut dire que je viens là et je vais sur celui-là là-haut. Ouais. Ah, là-bas du coup. Arrête de nous faire mariner! Qu'est-ce que tu vois? Putain, on n'a pas affaire à des nazes. Il y a du matos, je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants. Trouver l'identifiant. C'est pas exactement lui que je voulais. Pirater, mais ah, rip. Alors, attendez, je dois aller en haut. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, fais-moi ta thune, mec. Comment. Comment est-ce que je me barre de là? Ah! Il y a des ennemis de type. Méchant. Ah, non. Ah, mais attendez. Ah, je peux me balader sur les caméras des mecs. Trop bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, libère-moi, mec. Libère-moi! Non! C'est quoi ça? Ah, c'est... Je dois prendre des photos, je suppose. Putain. Comment je reviens maintenant sur une caméra... Plus intéressant, je crois qu'il y en avait une sur la droite là, non? Oh. Putain, on va le chanceux, putain. Ah, ah, il y en a une là-bas! Non! Oh, il est là. Ouais, mais du coup, ouais, je reprends juste celle que finalement, celle que j'avais. Alors, attends, du coup, je vais peut-être reprendre celle-là. J'ai peut-être un truc à faire. Il veut pas se barrer là, Jean-Claude. Putain. Ah, attendez. Il veut pas se casser là? Non, je vous en prie. Ah d'accord. Je crois que j'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer? Ok. Je peux revenir ici. Je pourrais activer ce truc pour faire quelque chose. Hey, hey. Attends, je vois comme des jouets là. Du genre pour Josh ou pour Sita? Un genre qui marche sur batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Oh, attendez, comment est-ce que... Je dois pirater ça là-bas. Ouais. Comment est-ce que je fais du coup?
Parce que je dois pirater le mec là-bas. Est-ce que... Ah, voilà. Oh, on peut le pirater. Ça comment je reviens à mon jouet, du coup? Ah. Là-bas, tac. Ok, par où je vais après? Après, je dois aller là-haut. Bah écoutez, on va passer, je pense, cette caméra-là. Disons que je dois aller là-haut. Est-ce que celle-là est bien? Non. Ok, alors attendez. Faut que j'arrive. Alors on a dit... On a dit quelle caméra? On a dit... Pas celle-là. Est-ce que celle-là c'est la bonne? Non. Par où dois-je aller? En fait, il faut que j'arrive à trouver une autre caméra un peu plus utile finalement que celle que j'ai. Attendez. Genre, c'est pas elle, le caméra. J'en ai une autre, je crois, sur la droite là. Est-ce que c'est celle-là? Alors, celle-là ne me sert à rien. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose là? Est-ce que j'ai moyen de faire un petit truc ici? Est-ce que cette caméra m'est utile ou pas? À moins que cette caméra là... me donne accès à d'autres caméras. Non. Je pense que je dois aller par là-bas, mais comment j'y vais? Comment est-ce que j'y vais, les gars? Parce que ça, je vais bien pouvoir sauter, mais est-ce que je peux sauter de là-haut? Non. J'essaie, hein, les gars. J'essaie. Ok. Bah, lui, ce que je vais faire, c'est que je vous récupère dès que j'ai trouvé. Parce que... Là. Ah, attendez. Ah, attendez. J'ai rien dit. J'ai peut-être trouvé un truc là. En fait, j'avais pas vu que je pouvais passer par là. Est-ce que c'est le bon chemin? J'aurais tendance à dire que oui. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air d'être une pièce importante. Merci pour cette intervention. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. Le genre de vieille qui va essayer d'occuper le moins d'espace possible avec les bras. Je crois que j'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, reviens au terminal d'admin. Et que j'ai rejoint les Shoeboys. Bon, là, il y a eu des trucs qui sont en même temps. Hein. Elle se tient. Comment ça va, quoi, on descend? Elle est efficace. Ah, pardon. Ça... Avec une voix qui te dit, si tu foires, tu meurs. Je l'ai vu tuer de ses mains au moins une douzaine de types. Dont certains faisaient deux ou trois fois sa taille. Elle se bat pas à la loyale. Elle se bat pas. Je
suis dedans. Mm-hmm. Et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Essaie de détraquer leur jauge. Ils penseront qu'il y a une fuite. Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Il y a un bateau qui t'attend au quai de marine. D'accord, donc là c'est bon du coup, si j'ai compris. Ou pas. Ouais, ok, là ça a l'air d'être bon. Ah, cool. Je peux récupérer ça. De la peinture de jumper. J'en profite pour essayer de choper le point, hein, les gars. C'est ma faute, désolé. C'est pas ça. Peut-être un truc en dessous. Ouais, je pense que c'est en dessous là. Peut-être par là, je pense. Ah, c'est là-haut. Voilà. Allez, on va maintenant au. Alors. D'accord, bon, on va prendre ça, les gars. Je pense que c'est un petit peu plus efficace, on va dire. Je pense, hein. Je dis ça, mais autant je me trompe totalement. Faut que j'aille où? Faut que j'aille ici. On est où? On n'est pas à côté, hein, parce que le chemin est un peu long et chiant, comme vous avez pu le voir. Donc, je cut. Et, enfin, petite ellipse et je vous retrouve là-bas. Alors, c'est bon, je suis quasi arrivé, là. J'ai envoyé ma voiture, elle est un peu abîmée, mais c'est normal, hein, c'est parce que j'ai pris quelques petits raccourcis, finalement. Qui étaient plus ou moins des raccourcis safe. Mais, voilà. C'était on va dire c'était calculé. Bon, je vais me garer là, j'ai récupéré la péniche. Alors là les gars, si jamais je dois m'enfuir vite, c'est la merde. Ah, faut que j'aille lui parler à lui ça. Enfin, elle plutôt. Salut Rétro, je t'ai préparé ça. Super, tu viens aussi? Non, j'ai le mal de mer. Quand la péniche sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Ok meuf. Merci beaucoup. Ouais. Atteindre la péniche. Tac. Donc avec ça, je suppose. Ah, j'ai pas la nitro sur les bateaux. Marcus, j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de New York. A chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Bah, ils ont fait comment, les Shoeboys, pour accéder à... À moins que... On leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas? Peut-être. Et là, on est bientôt là, je pense. Ouh, ça va être un gros... Un gros bateau, cette histoire. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur, là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis moyen confiant là, les gars. C'est quoi ton plan? Vu la taille du bateau, il y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. D'accord. Je vous dis qu'il y a forcément des ennemis, non? C'est pas possible. Je t'avais dit de plus acheter d'actions Ubisoft. C'est pas possible. Je t'avais dit de plus acheter d'actions Ubisoft. Ah,
Ok. J'essaie en fait. Voilà, d'aller à l'étage là-haut. Ok, j'élimine tout le monde là, rien à foutre. Par ici. Je dis qu'il y a peut-être du monde là-haut. J'ai entendu quelqu'un parler. Bon bah voilà hein. Merde! Je me suis fait voir comme un naze! Là, franchement, j'ai merde de ouf, les gars. Faut que j'aille tout là-haut. Déjà, ils me font passer par là, déjà. Ok, lui, il a fait une fois. Ça, à quoi, ça? D'accord, donc ça ouvre ça. J'aurais peut-être pu faire tomber quelqu'un du coup ici. Est-ce que je pouvais me fight ici tout simplement, non? Quoi? Mais genre! Genre j'ai tiré ça, j'avais pas la portée pour le mec. Mouais à d'autres. Ouais franchement les gars, j'ai limite envie là d'y aller en mode, tu sais. Gros bourré hein. Alors peut-être que passer par là n'est pas judicieux. Ah. Tu peux rien me faire. Je suis immortel. Bah, du coup... Genre putain, la fois est appelée. Prends le grenade. Il y a un mec là-haut. Là, je suis un peu concentré, les gars. On prend des munes. Prendre les mecs qui tirent, mais ils savent même pas sur quoi, tu sais. Ouf! Lui, j'ai de la luck, hein! Ok, je crois que j'ai vidé tout le monde. Quoi?
Dans le doute. Dans le doute, on tue tout le monde. Hein. Il y a un mec ici. Ok. Eh, c'est bon, tout le monde est éliminé. Voilà. Moi, les gars, c'est bon, j'en ai ras le bol de ces conneries là. Au bout d'un moment. Au moins maintenant, voilà, tu vois, je vais être bien tranquille. Alors, trouver la clé. Merde, elle bleue. Oh putain, c'est le mec là-haut. C'est le mec là-haut. Comment je fais ? On va aller la chercher rapido. Non, je l'ai pas. Mais je dois faire quoi en fait là? Où est le truc que je dois récupérer? Alors, récupère vite ça! Hop! Récupère la clé. Parce que la grue, finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu vois? Peut-être que j'en avais besoin. Pour un... Comment ça s'appelle? Pour finalement un accès un peu discret, vous voyez? Bon, voilà, la disparition. On a dépassé ce genre de choses. Ouais, j'ai passé ici. Parce que ouais, je me dis, du coup, tu vois, peut-être un... Allez. On se cale ça. Bon, du coup, c'est pas hyper discret, mais que voulez-vous? Ça fait le taf, hein, les gars. Rejoindre le serveur. Ça devrait aller. Je vais voir si la backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal. Il n'y a plus qu'à le trouver physiquement. Allez, j'y vais. Est-ce que je dois le trouver physiquement? Pour eux, c'est transportable, hein. Mais peut-être que pour toi, ça l'est pas. Si? Ah ouais? Il fait quelle taille, à ton avis? Le genre industriel. Je laisse la ligne ouverte. Non, là. Il est tombé. Comment on va là-bas? Peut-être avec une petite porte quelque part, là, non? Bon, déjà, je fais le tour. Ça a pas l'air d'être là. Ok. Donc, ça veut dire que... Je sors soit... Je suis censé rentrer par ici. Et tomber par quelque part. Ah, par là, par exemple. Ah, là, ça me paraît pas mal, là. Alors, j'espère, pour le coup... qu'il n'y a rien de pas cool, tu sais, qui m'attend ou quoi. Alors, attendez, je dois rentrer là. Comment j'y rentre? Par là, peut-être. Putain, infrastructure, c'est un peu de la merde, quand même. J'ai trouvé le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici? Sur le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, en parlant de porte de service, je t'ai raconté la blague du... Wrench, plus tard. Non, mais c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut, et on s'occupe du reste. Encore. Je dois le mettre où, du coup? On va le mettre là-bas. Ouais, donc j'ai bien fait de tuer tout le monde, hein, on va pas se mentir. Parce que si j'avais dû faire ça en mode... Hein. Ouais. On sait le mettre où. D'accord. Alors, je suis censé le mettre là-dedans. Alors, j'ai vu qu'il y avait des trucs. Ouais, genre ça. Ah, peut-être ça. En fait. Mais là, je risque de me tuer à tout le monde, non?
Genre là où je suis, c'est de la merde un peu. Je vais monter dessus, voilà. Au moins, j'ai normalement pas de risque de m'écraser. Normalement. Ah! Merde, c'est pas bon ça! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est quoi le plan? J'y suis presque. Josh, alors, merde! Top chrono. Ouais. Top chrono pour attendre l'extraction. Ah, donc, ouais, bon, encore une fois, j'ai bien fait, je pense, de tuer tout le monde. Hein. Comme ça, au moins là, j'ai 40 secondes à attendre comme un plou. Plus que 29 secondes. Un bordel! Okay. Quoi? J'aime bien être ponctuel. Attendez. Je me fais repérer par quoi là? Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir. Là. Non, mais je suis censé voir quoi surtout? Oh putain! C'est ton drone ça? Surprise! Construit sur mesure. Ah, ouais. J'aille donc en bas. Marcus, t'es où? Il faut encore que t'accroches le serveur au drone. Au drone? Mais... ouais, c'est bon, laisse tomber. J'arrive. Comment je suis censé faire? Fuck! Ah, ok. Oh merde! Oh putain de merde! Qu'est-ce que je fous là-dessus, moi? Putain! Ok. 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 Hein? Sa mère. Hey yo, Josh! Combien de fois tu l'as fait voler, ce machin? Ok. Je m'attendais pas à ça, hein. J'avoue que je m'attendais à ce que je doive l'accrocher ou ce genre de truc, vous voyez? Apparemment, non. Vous savez, Michel, nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menée par des groupes comme DedSec montrent qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut connaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on a qu'à publier tout ce qu'on a sur Dushan, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Non mais c'est pas une solution de l'abattre. Ouais bah restez assis à rien foutre. Arrête, non plus. Personne reste assis à rien faire. Fois, silence ce que je dis. Il nous provoque. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles, est-ce que ça a changé? Ok. On a presque tout ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup. Ouais. D'accord. Nice, ok. Est-ce que ça veut dire que la mission est terminée? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oh putain, on a gagné pas mal de niveau en vrai. Mine de rien. Est-ce qu'on a fini du coup? Mais écoutez, je pense que oui. Ouais, on a fini la mission. Ben les amis, voilà, j'espère que ce petit épisode un peu long quand même vous a plu. Oh non, ça va, il n'est pas si long que ça, j'ai quelques petits cuts à faire et tout, donc ça va. Bon les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me voir en live, ben, n'hésitez pas à venir sur Twitch et à rejoindre mon Discord pour être notifié. Ou pour venir discuter tout simplement. Tous les liens sont dans la description. Et je vous mets à disposition de nouvelles vidéos. Bonne journée !